Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour s'ouvrir deux tripacks ténèbres embrasées. Alors, c'était pas du tout prévu à la base, mais je me suis dit, bon, voilà, j'avais acheté des duopacks et Carrefour en avant-première. J'ai eu, bah, pas du tout de chance, en fait, j'en avais acheté 5, je crois. J'ai absolument rien eu du tout, ou 10, enfin, je sais plus, j'en avais acheté combien. Non, j'en avais acheté 5 parce que j'avais 10 boosters, mais j'avais rien eu du tout. Et donc là je passe dans mon magasin qui est Hyper U. Et bon, j'apprécie pas vraiment Hyper U et j'apprécie pas le fait d'acheter des boosters en magasin puisqu'on paye très cher alors qu'on peut avoir moins cher sur internet. Mais je me suis dit ok, là il en restait plus beaucoup. Et je me suis dit bon, je vais donner une seconde chance au supermarché et je vais voir si bah, cette fois il me réserve une bonne surprise ou pas. Du coup j'ai pris deux tripacks. Et écoutez, sans plus tarder, je vais déceler ça. On va pas s'attarder sur les cartes, sur la carte promo. De toute façon il n'y en a qu'une, c'est Evoli. On va pas s'attarder sur la carte promo et le jeton. On va directement s'attaquer au booster. Donc voilà, j'ai décelé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir ça en tripack. Du coup on va pas faire de battle entre les deux cartes promo parce que de toute façon il n'y a que Evoli, j'ai pas la Pyroli. Mais j'ai envie de voir si jamais on a pourquoi pas deux ultra, si on a eu vraiment de chance ou non. Donc écoutez, sans plus tarder, bah on va s'ouvrir ça. Je suis très contente parce que c'est vrai que Ténèbres embrasées, j'avais plus prévu d'ouverture. En fait là si vous voulez, je vous explique. On est actuellement le 31 août et j'avais pas prévu d'ouvrir du Ténèbres embrasées jusque très longtemps en fait. Jusque la sortie en fait de EB3.5, donc la voix du maître. D'ailleurs je vous réserve une petite surprise. Enfin vous allez voir, je vais me faire plaisir sur cette série, vous allez voir. Mais en fait du coup j'avais, là j'ai des vidéos en fait si vous voulez. Je parle du le 31 août. Là vous voyez pas du tout la vidéo le 31 août mais après le 20 septembre je crois, si mes calculs sont bons. Et aussi avant tout ça, ah oui, donc là vous dites, oula c'est vachement décalé, mais c'est normal, en fait c'est que je déménage, donc je prévois énormément de vidéos en avance parce que j'aurai pas du tout le temps de tourner, j'aurai pas cet appareil photo disponible. D'ailleurs pour l'appareil photo on va en rediscuter, mais je vais changer d'appareil photo, il sera beaucoup moins qualitatif, je pense surtout au niveau des couleurs et peut-être de la netteté, mais il fera quand même des belles images, il faut juste que je prenne le temps de le régler. Voilà, juste pour vous dire que bah je suis désolée si la qualité va régresser pour la voix du maître du moins, mais voilà je m'en excuse, mais je n'ai pas le choix parce que c'est pas mon appareil photo que j'utilise ici. Et du coup, je disais quoi? Je sais même plus ce que je disais en fait. Faut que j'arrête de parler de plein de trucs en même temps. Bon, je sais plus ce que je disais, ça devait pas être super important. Mais écoutez, sans plus tarder, on va s'ouvrir ça. J'espère vraiment choper une bonne carte. Je donne une seconde chance au supermarché. Parce que acheter les boosters en magasin, je ne fais jamais ça. Je suis contre ça. Non, en vrai, tout le monde fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. On comprend qu'il y en a qui n'aiment pas acheter sur internet. Ça, c'est totalement normal. Mais pour ma part... je sais que je peux avoir moins cher déjà chez Pokémon, d'ailleurs oui chez Pokémon n'hésitez pas à aller voir hein, pour les achats à la voix du maître, tout est disponible, il y a plein de coffrets, les coffrets pins c'est vraiment super intéressant, donc n'hésitez surtout pas. Bon allez, sans plus tarder j'arrête de parler, on va s'ouvrir ça et on va commencer par celui-là parce qu'il y a moins de Dracaufeu, donc vu que bah, au final Dracaufeu c'est effectivement l'illustration la plus chanceuse, j'avais dit que non dans l'ouverture de mon display je crois, mais en fait si. Donc voilà. Mais oui, du coup, c'est vrai que, voilà, comme je vous dis, on paye vraiment une blinde. Et c'est vrai que moi, personnellement, dans mon magasin, donc qui est Hyper U. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, mon magasin qui est Hyper U. Quand je voyais des fois les tripacks à 18 euros, je me suis dit, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi à 18 euros un tripack. Enfin, du coup, bah voilà. Bon, là, ils étaient à 15,90€ pour le coup. Évidemment on peut en avoir des manchas sur internet, mais par exemple chez Pokémon ils sont aux alentours de 12-13€, donc n'hésitez surtout pas. Et évidemment utilisez bien mon code, c'est très important. Tic, Tadmorv, t'es dur ça en reverse et derrière. Oh, yes, j'ai tellement bien fait. Angoliath V, ok. Ah par contre, oh non. Le cadrage, il n'y a aucun effort sur le cadrage. Bon, c'est pas, tant pis. Ok, c'est une belle V. Franchement, c'est une jolie V. Type obscur, donc faut vraiment le faire pour me décevoir sur une type obscur. Alors, permettez que je prenne mes sleeves, bien évidemment. On commence direct avec une ultra. Ok. J'ai tellement hésité à prendre des tripacks parce que comme je vous dis j'ai un budget à respecter. Là je dois avouer que je me fais un peu plaisir parce que j'ai un travail, enfin j'ai trouvé un travail pour fin août, donc j'ai une petite rémunération quand même. Du coup je me permets un petit peu d'acheter bah, comme ça quand j'ai envie parce qu'avant je ne pouvais clairement pas. Hein. Petite Angoliath V. Ok bon, malgré le cadrage elle est franchement sympa donc ça fait plaisir. On commence direct par du lourd, donc trop bien. Allez on enchaîne. Et du coup oui, le fait que j'ai trouvé un petit travail là pour fin août. Et bah du coup pour la voix du maître je vais pouvoir faire ce que... En fait j'avais déjà prévu de le faire même sans travail hein, de base. Mais du coup j'allais être un peu limite au niveau des ouvertures je pense. Mais je vous en parlerai plutôt dans les vidéos je pense au lieu de m'avancer à en parler là.
Parce que comme ça, je ferai des vidéos au sujet en question. Et là, du coup, je parle, mais je parle pour rien parce que du coup, je vous dis pas. Bref, on va passer Fouinette, Darumaron Galar, Tanmorve, Umbrilex, Escargom, Predastery en reverse, très joli en reverse Predastery, et derrière un Nelixprint en rare, cool. Il va aller dans ma petite collecte de coup de cœur, parce que c'est vrai que j'ai eu un très très gros coup de cœur pour Pharamp, mais Nelixprint un peu moins, et du coup j'ai préféré la vendre plutôt que la garder. Du coup bah, celle-là je vais pouvoir la garder dans ma petite collection de coup de cœur, on va dire. Et on enchaîne sur le dernier booster pour le premier tripack. Hop. Et oui, c'est vrai que... Ah, je crois que c'est ça que je voulais dire. Les tripacks, c'est vraiment... habituellement, avec moi, les tripacks, c'est très chanceux. Mais bizarrement, dans cette série, et pour tout le monde, en fait, les tripacks sont absolument pas chanceux. Et du coup, pourquoi c'est devenu flou d'un coup? Je suis en automatique. Ah, je suis en automatique, c'est pour ça. Excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Et oui, du coup, dans cette série, les tripacks sont tellement pas chanceux, c'est trop bizarre. Donc, bah, on va voir pour moi. Pour l'instant, j'ai une Ultra, donc très très contente. Dynavolt, Feuillajou. Hermure, Reverse Inskitty et derrière. Mais non! Cisaillox CV. Elle est trop belle, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je l'ai vu dans mon display d'ailleurs, il me semble. Ça fait longtemps que je l'ai ouvert, donc pour vous, ça doit pas faire très longtemps normalement que les parties sont sorties. De toute façon, je l'ai sorti une fois par semaine. Mais on a deux V dans. Mais what? C'est quoi ce tripag ultra chanceux? Trop bien. Ok, bah Cisaillox CV, très ok. Moi je dis d'accord, je veux bien, hein. Trop trop bien. En plus, elle est super stylée comme carte. Puis Cisaillox en soi, c'est un peu quand même super stylé. Donc bah voilà quoi. Allez, bah du coup, deuxième tripack. Est-ce qu'il va être aussi chanceux? Je l'espère. Là, il remonte dans mon estime, hein, les tripacks. Franchement, pour le coup, très très contente. On a une énergie obscure. Flamoutin. Vibranin. Très belle Vibranin. Cap d'endurance. Sauf Kipou. Qui a les yeux totalement, mais on dirait il est éclaté, genre il est super crevé, il en veut plus de sa vie. Passe rouge, Quatermac, Barpo, Tefroi, en reverse un Topicker, et derrière... Oh! Eatran, holographique, ok, super sympa. Ça je sais pas, ça m'étonnerait. Oh, elle ressort super bien la carte sur la paille. Et oui, la qualité va baisser, hein. Je m'en excuse d'avance. J'ai pas trop le choix parce que je déménage. Elle est trop belle. Je sais plus si je l'ai tirée celle-là. Il me semblait que oui, mais je suis plus sûre. Eh ben on a une petite holo qui fait plaisir, écoutez. Trop trop belle, ok. Bah allez, on enchaîne avec le deuxième booster. Hop. Et hop, pour l'instant, ouais, là, Hyper U, vous avez des boosters chanceux. Hein, donc c'est vraiment cool, enfin des tripacks chanceux. En plus, il n'en restait que 4, j'en ai pris 2 du coup. Peterson, Ombrelle géante, Vortante, Froussardine, Spododo. Oh là, la lumière, excusez-moi. Flamajou, Tedursa. Oh, les cartes qui tombent, maintenant j'ai l'habitude. Cracnoix, Candina Reverse et derrière un Darumacho de Galar en rare. J'aime pas trop trop cette rare. J'avoue que là sur les rares hauts de cette série, j'ai un peu de mal en ce moment. Enfin, en ce moment, surtout dans cette série, j'ai un peu de mal. C'est pas des Pokémon que j'apprécie énormément, donc bon. Allez, dernier booster, on croise les doigts pour avoir une belle carte. Ça serait trop trop bien de finir sur une super belle ouverture. Et du coup, j'aurais eu raison de me faire plaisir pour le coup. 1, 2, 3, 4. Et on est parti avec une énergie feu. Sorboule, Peterson, Ombre géante, Hippopotasse, Pyronie, Mimigal, Rongourmand, Brindibou, en reverse un feuilleton. Et derrière, dommage, ah, Lansargo en rare. Bon, c'est une belle rare qu'on a. Donc, pas déçu. En vrai, elle est vraiment belle. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez de cette illustration, mais c'est vrai que plus je la regarde, plus j'aime bien. Donc, ok, petit Lansargon rare pour terminer. Ok, bon, ça va, on termine sur une jolie rare, donc ça fait plaisir. Bon, bah, du coup, cette vidéo est terminée. Pour le coup, on a eu beaucoup de chance sur notamment un tripack qui contenait deux ultras, donc vraiment cool. Et dans l'autre, on a quand même eu une holo qui fait plaisir. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, l'aimer, la partager. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.